Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous! Et voici la suite de l'épisode avec Hélène Peckman, où elle nous donne des conseils pour commencer à améliorer la qualité de notre sommeil. Bonne écoute! À partir de quand les siestes, elles sont recommandées? Parce que le coup de barre après manger, ça arrive souvent quand même. En fait, ça serait super si tout le monde pouvait faire une sieste. Il y a des pays, enfin au Japon, il y a plein de pays où les gens font la sieste en fait. Après, ce qu'il faut... Je recommande toujours 20 minutes, parce que 20 minutes, c'est assez pour te requinquer. Si tu fais, ou alors, il faut que tu fasses un full cycle, un cycle de sommeil, donc c'est-à-dire 90 minutes. Parce que si tu es réveillé, si tu te fais 1h20, tu vois, 1h20 de sommeil, c'est pour ça que parfois, on se réveille d'une sieste, on est complètement à la ramasse. Ouais. On ne se sent pas bien. Ah c'est oui. parce qu'en fait, on a été réveillé en plein milieu d'un cycle de sommeil. Et donc là, c'est limite, c'est foutu, parce que là, ta limite, après, tu as besoin d'un café, alors que c'est quand même pas le but. Si tu as fait la sieste, il fallait éviter la caféine. Et donc, vraiment, c'est faire 20 minutes. Et alors là, le top pour avoir de l'énergie, c'est vous prenez un café avant, faites la sieste de 20 minutes parce que la caféine rentre, mais entre 20 et 30 minutes pour vraiment kick-off, pour vraiment démarrer. Donc si vous avez pris un café, faites votre 20 minutes de sieste, vous vous réveillez, c'est le power nap, tu vois. Ça, En c'est pleine vraiment forme. là, vous êtes en pleine forme, ça requinque. Mais en fait, le problème, c'est qu'on est dans une société où on ne valorise pas de se reposer dans la journée. Ouais. Et alors que c'est génial, beaucoup de gens en ont besoin. Et ben Et moi je donc fais sinon, ça et je suis, vas-y. excuse-moi je te coupe, je fais Non, ça en vas-y. fait en faisant des, moi donc je médite et souvent, enfin pas souvent mais ça dépend, quand je suis fatiguée, pareil tu vois je pique du nez en fait. Et du coup, alors c'est pas vraiment une sieste, c'est je médite et ensuite je pique du nez, donc du coup je sais pas combien de temps ça dure mais vraiment pas longtemps. Et en fait du coup je me sens en pleine forme et surtout je dors mieux, ironiquement. Alors c'est peut-être Mais pas c'est pour tout ça. le monde hein, le cas, parce que je me souviens que j'avais un copain qui me disait bah moi quand je fais une sieste j'arrive pas à dormir. Peut-être que ça dépend de la durée, encore une fois, mais moi, au contraire, justement, ça m'a régularisé, mais je sais pas, je me sens beaucoup mieux depuis. Eh bien, c'est tout simple, c'est que le sommeil entraîne le sommeil. Et c'est un petit peu comme les enfants. Les enfants, s'ils ne font pas la sieste, ils sont de mauvais poils, machin. Et en fait, on a remarqué que les enfants qui dorment très bien la nuit sont aussi des enfants qui font des très bonnes siestes. Alors évidemment, il y a des exceptions, je ne dis pas, ce n'est pas tous les enfants, mais le sommeil entraîne le sommeil. Et donc, moi, je l'ai vraiment vu quand j'étais enceinte, je faisais des siestes et je dormais mieux la nuit. Tu vois. Et alors après, effectivement, quelqu'un qui a vraiment beaucoup, beaucoup de mal à s'endormir la nuit, on ne va pas forcément lui recommander de faire une sieste. Surtout au début, si on essaye de le recaler, notamment avec la thérapie cognitive, là, TCC. la CB, voilà. Ah, c'est CCC, c'est CBT en TCC, France. En anglais, thérapie, ouais. combien c'est commencé en français? TCC. TCC, voilà. Les lettres inversées, en plus, c'est un peu dyslexie, c'est foutu. Mais qu'est-ce que je te disais? Oui, donc quelqu'un, voilà, là, surtout pas de slip, parce que le but, c'est de Le faire recaler. grandir la fatigue, le recaler, donc surtout pas. Mais la sieste, mais encore une fois, faut pas qu'elle soit trop tard, tu vois. La sieste, 13h, 14h maximum, mais déjà 15h, si on commence déjà à être un peu tard. Alors toi, tu te couches à minuit, donc peut-être que 15h, ça passe. Mais 15, 16h, on est déjà trop tard, en fait. C'est déjà un peu trop tard. Mais c'est que les gens, parfois, ne la font pas au bon moment, ne la font font des siestes trop longues. Donc c'est ça aussi qu'après, tu n'arrives pas à dormir. Mais pouvoir se requinquer naturellement, enfin dans la journée, c'est important. En fait, on n'est pas forcément fait pour bosser 8 heures Mais d'affilée non, sans break. mais bien On n'est sûr. pas fait pour ça. Et c'est important de voilà. Après, le problème, c'est qu'effectivement, on n'a pas tous un boulot qui permet de tu vois, Bah oui. faire une petite sieste. Surtout en France, je pense que ça commence à venir. Ici, tu as quand même pas mal de choses où tu as des salles de méditation, De Mais bon, sieste et tout. voilà, après, c'est surtout que les gens sont super busy au travail, ils n'ont pas le temps. Et ça te dit quelque chose, la sieste de Jacques Chirac, non? Ça te ring a bell? Non, ça te Ah, dit? celui qui faisait sa sieste tous les jours, c'est ça? Ouais, tu te souviens comment il la faisait? Non, attends. Enfin, la rumeur, c'était qu'en fait, il avait un stylo qu'il tenait dans la main. Et en Ouais. fait, du coup, il commence à s'endormir. Et à partir du moment où il lâchait le stylo, et bien pouf, il se réveillait. C'était une micro-sieste, en fait. Et ça y est, ça allait Ah mieux. En bah fait, c'est oui. comme s'il avait redémarré la machine. Et Mais rien que c'est ça, quand ça. on n'a pas le temps de faire 20 minutes, rien que de fermer les yeux quelques minutes seulement, et bien en fait, on s'est apaisé, on s'est calmé. Donc peut-être qu'il y a eu un petit peu plus de régénération très rapide. Mais en tout cas, on peut redémarrer un petit peu mieux. Mais c'est exactement ça. Et moi, je dis toujours, tu vois, mes clients qui disent, oui, mais moi, au boulot, je ne peux pas faire la sieste, tout ça, ce que je comprends tout à fait. Je dis, bah, prends 2 minutes et fais des exercices de respiration.
Enfin, si tu ne veux pas méditer, ben, tu as des respirations qui t'aident à te recentrer, à te calmer, à te reposer. Tu as des respirations qui t'aident à te donner de l'énergie. Donc ça aussi, c'est des techniques qu'il faut apprendre, mais qui te requinquent, qui te redonnent de l'énergie. En fait, y a pas, on peut se régénérer, on peut se redonner de l'énergie, pas forcément en faisant de la sieste, mais peut-être en allant se promener à l'extérieur. Tu vois, au soleil, tu marches 10 minutes, ça te requinque. Des exercices de respiration, ça te requinque. Le mouvement, tu vois, même tu mets tes jambes. Tu sais, quand tu t'allonges et tu mets tes jambes contre le. Bon, Contre le évidemment, tu mur. ne vas pas forcément faire ça au bureau. Mais voilà, il y a d'autres petites choses à faire. C'est important d'avoir ces petits breaks dans la journée pour se. Et toi, tu donnes des exercices de respiration à tes clients, du coup? T'en aurais un à nous partager pour revigorer si on est un peu fatigué en début d'après-midi? C'est le nostril. Avec. Attends, je te dis en français. Les narines. La respiration avec la narine, la narine droite. Ouais. Donc tu fais C'est comment, du ça. coup? Ben, tu bloques la narine gauche et tu respires qu'avec la droite et tu expires avec la droite aussi. D'accord, donc tu bloques juste d'un côté, hein, du côté droit ou côté gauche, peu importe, et tu respires que par une narine, c'est ça? Ça. Et tu inspires profondément et expires profondément. Ouais, exactement. Et alors ça fait quoi? Ça te booste? Ah, ça te booste. Voilà, c'est ça. Ça te donne de l'énergie, mais il faut le faire. Tu le fais pendant. Autant que tu peux, c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent le faire pendant 1 minute, 30 secondes, ça pas vraiment. Mais ça donne de l'énergie, ouais. C'est bouger son corps aussi, beaucoup le mouvement, bouger les bras, tu vois, se lever, faire des. Tu te mets dans une salle de réunion, tu bouges. C'est donner son énergie naturelle, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en plus, tu sais, ça Danser pour ramène tout le sang ça. dans les mains, donc Ça ramène, forcément, ouais. ça circule. Et en fait, c'est super important. Alors après, moi, je suis pas contre le café, hein, pas du tout. Hein, je veux dire, mais c'est juste qu'il faut essayer de peut-être le garder plutôt la matinée, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord, ouais. Et petite question, pourquoi on a plus faim? En tout cas, on a l'impression d'avoir plus faim quand on est fatigué. Bah parce qu'on a besoin d'énergie, tout simplement, Voilà, parce qu'on n'a ouais. pas dormi, on a besoin d'énergie. Enfin, je veux dire, à moins d'être super healthy, tu vois, avoir son green juice tous les matins et machin, si tu n'as pas dormi, tu te lèves le matin, tu as envie d'un truc un peu sucré, quoi, pour te donner d'énergie. Tu vas avoir ralement, tu vas pas forcément te dire j'ai envie d'un smoothie épinard, tu vois. Ça arrive, hein, il y en a qui sont, enfin, ceux qui ont l'habitude de faire ça tous les jours, ils le font sans problème. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que forcément, tu as besoin d'énergie, tu veux du sucre. Ouais. C'est normal. Et pareil avec les soucis émotionnels, hein, c'est la même chose en fait, c'est le même principe. Le même principe. Ça marche pareil, quoi. Alors comment on peut gérer les associations que l'on fait avec le sommeil, par exemple l'association de la peur d'aller dormir ou de la peur de se réveiller tout le temps à 4 heures du matin ou de mettre 1 heure avant de s'endormir, et en quoi l'inconscient y joue un rôle majeur? Alors déjà, il faut déjà comprendre que, enfin, entre guillemets, que le lit, c'est fait pour dormir. Ou pour les relations intimes. Donc déjà, si tu bosses dans ton lit, si tu stresses dans ton lit, si tu, je sais pas, si tu fais autre chose dans ton lit qui n'est pas, voilà, relations intimes et dodo, déjà ton subconscient déjà associe du coup ton lit avec toutes ces situations. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que la personne quand elle a le dodo, c'est le lit, c'est dodo. Voilà, c'est déjà. Donc déjà, remettre les choses, Dodo tu ou vois. Voilà, tu vois, tu vas pas manger dans ton lit, tu fais pas tu bosses pas avec ton ordi dans ton lit. Voilà, ça c'est super important déjà de recadrer ça. Et après, effectivement, hein, c'est de se rappeler, se dire que bah, tout le monde peut dormir, que si tu dors et que c'est normal d'avoir des passages où on dort mal aussi. S'il faut aussi, faut arrêter, personne dort super bien toutes les nuits. Même les meilleurs dormeurs ne dorment pas super bien toutes les nuits. Voilà. Donc se dire que oui, il y a des périodes où on dort moins bien parce qu'on est stressé par le boulot, par autre chose, et que ça ne nous empêchera pas de pas fonctionner correctement le lendemain. Enfin, je veux dire, ça c'est important. Si tu te réveilles aussi la nuit, ne regarde pas l'heure. Ah, ça Moi, je le dis typique, ouais. toujours. Ouais. Typique, ne regarde pas l'heure parce que indirectement tu comptes. Oh, tiens, il me reste 4 heures et 33 minutes si je m'endors dans les 2 minutes, tu vois. Mais voilà, ça, il faut pas faire, faut pas regarder l'heure, et c'est vraiment de se dire. Ça ira, on peut très bien fonctionner avec pas beaucoup d'heures de sommeil, du moment que c'est pas, ça dure pas pendant des mois et des années, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment essayer de dédramatiser la chose. Mais c'est vrai, t'as raison sur ce que tu dis, parce que je me souviens que j'avais eu un moment, je sais pas, une semaine où je dormais super mal parce que j'étais hyper stressée. Et du coup, donc je regardais l'heure, évidemment.
Et je culpabilisais en me disant, mais mon Dieu, mon corps, il va être trop mal. Tu sais, j'avais peur des conséquences sur ma santé. Et en fait, je nourrissais cette peur, et donc du coup, cette peur aussi d'aller dormir, parce que Bien j'avais sûr. des ruminations. Donc en fait, c'était aussi un cercle vicieux. Et un jour, j'ai entendu c'était une spécialiste de je ne sais plus quoi, mais en tout cas, je crois que c'était du cerveau, et elle expliquait, mais il faut arrêter, c'est pas grave s'il y a des périodes où on dort moins bien, bah, le lendemain, si tu Bien pousses une sûr. petite sieste, et puis surtout, le corps, il est beaucoup plus fort que ce que tu crois. Et c'est vrai que tout de suite, ça m'a un petit peu, tu sais, apaisé. Je me suis dit, bah oui, en fait, si je prenais ça plutôt sur ce ton-là, tu vois, en ayant plus Ouais. confiance dans mon corps. Et ça m'a vraiment apaisée. Et du coup, je me souviens que le soir même, j'ai beaucoup mieux dormi, tu vois. Oui, on a, comme tu dis, c'est le mental joue énormément sur beaucoup Ouais. de choses et notamment sur le sommeil, comme un autre truc, tu vois, que je vais te dire, tu vois, les gens qui vont se dire, ouais, ce soir je vais me coucher plus tôt, demain j'ai un vol, faut surtout pas que je loupe le vol. Toi, ton horloge biologique, elle le sait pas, hein, que tu as décidé que ce soir tu irais te coucher 1 heure et demie plus tôt, donc tu vas aller te coucher plus tôt et puis tu vas pas forcément trouver le sommeil, donc tu vas stresser encore plus. Alors en fait, c'est toi qui as pris cette décision d'aller te coucher plus tôt. Donc, sauf si tu es vraiment fatigué, genre tu es épuisé, tu dis ce soir je vais me coucher plus tôt, il n'y a pas de souci, c'est normal, on le fait tous. Mais te dire demain j'ai une présentation, j'ai ci, j'ai ça, donc je vais. Si ton corps n'est pas habitué à se coucher à cette heure-ci, il ne le sait pas. Et donc du coup, tu vas te coucher et ça peut créer une mauvaise association, puisque encore une fois, tu vas te retrouver allongé à regarder le plafond et à stresser et c'est pas bon. C'est pas ce qu'on recherche en fait. Donc tu veux dire qu'il vaudrait mieux plutôt se enfin si ça marche pas forcément pour nous de se coucher à la même heure même si on se lève plus tôt et tout? Bien sûr, tout à fait. D'accord. Sauf si vraiment tu ressens la fatigue et tu vas te coucher plus tôt. Ouais. Mais après, ou alors tu te couches quoi? Allez, peut-être un quart d'heure, 20 minutes plus tôt. Mais 1 heure plus tôt, c'est énorme dans ton horloge biologique. C'est quand même un gros changement. Donc non, ça sert à rien. Alors il y a des gens pour qui, oui, très bien, ils s'endorment. Mais si toi, tu sais que déjà, t'es pas du genre à t'endormir super facilement, ça sert à rien de te rajouter ça en plus, quoi. Bah moi je suis comme ça et c'est vrai qu'effectivement si par exemple il y a un truc important et que j'essaie de me coucher vraiment plus tôt, si j'ai pas lu en tout cas, généralement ça marche pas. Donc avec la lecture ça marche un peu mieux mais oui je suis pas du genre à aller me coucher à 21h30 parce que je dois me lever à 6h du matin quoi. Ça marchera pas pour moi parce que j'ai trop l'habitude de me coucher tard, je suis d'accord avec toi. Ouais, Voilà. une petite technique. Voilà. Et alors quand ça fait 1h30 qu'on tourne en rond dans notre lit, est-ce qu'il vaut mieux se lever ou rester au lit? Ah ben, faut mieux se lever. Après 20 minutes en général. Moi, je recommande toujours la 20 minutes parce que, encore une fois, ça ne sert à rien. De toute façon, il faut changer d'environnement, entre guillemets. Ça ne sert à rien. Tu ne veux pas que pareil que ton. Ce qu'on disait avant, hein, que Tu ton fasses une esprit association? s'associe à une association, voilà. Donc tu sors, tu vas dans le salon, évidemment tu n'allumes pas la télé, hein, parce que si tu prends ton téléphone, tu allumes la télé, c'est un peu fichu, mais par exemple si tu aimes bien lire, bah, tu vas prendre ton livre, tu vas te mettre sur le canapé, tu mets pas trop de lumière et tu fais autre chose, quelque chose qui va te permettre ensuite de retourner. Quand tu te sentiras fatigué, calmé, retourne dans ton lit, retourne te coucher à ce moment-là, Donc tu tu peux vois. lire, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu peux lire, il y en a qui vont se prendre, je sais pas, une tisane, tu vois, ou fais quelque chose, juste pas quelque chose qui va te stimuler. Voilà, c'est ça. C'est vraiment pas faire quelque chose qui va te stimuler. Fais quelque chose de calme. Si tu veux faire la méditation, tu médites. Si tu veux juste t'allonger peut-être un peu sur ton canapé, tu t'allonges sur ton canapé. C'est vraiment histoire de casser cette association, en Ouais. fait, de rester éveillé pendant super longtemps et ça ne sert à Et rien, manger, est-ce quoi. que ça aide? Moi, je suis pas du genre à manger la nuit, mais je pense que ça peut calmer l'esprit, non? À manger un petit peu. Et vu qu'il est en processus de digestion après, peut-être que ça peut te faire ton petit coup de barre, non? Tu pourrais, parce que le sucre, effectivement, le sucre, ça te donne de l'énergie sur le coup, mais après, ça te donne un coup de barre, en fait, le sucre. Mais le problème, c'est que sur le short term, ça va t'exciter. Donc, le sucre, peut-être pas, tu vois, finalement. Parce que, mais oui, tu peux manger. Les femmes enceintes, souvent, ça arrive quand on est enceinte. Tu vois, on se réveille en pleine nuit et on va manger. Après, si ça fonctionne pour toi, oui, tu vois, il n'y a pas de contre-indication, quoi. C'est juste éviter quelque chose de stimulant, quoi. Ah bah je dors très bien mais j'ai pris 20 kilos. Ah, oui, après, oui, ça peut jouer. Effectivement, si tu. Et encore, je vais te dire ce qu'il faudrait pas. Ça me fait penser un petit peu au bébé qui dormait très bien et puis d'un coup, vers 2-3 ans, je sais pas, décide de se réveiller et les parents vont leur donner du lait, tu vois, un biberon de lait ou quelque chose. Et ça me fait penser à ma voisine puisque c'est le cas. Et ben maintenant, ça fait 1 an, la gamine, elle se réveille toute la nuit vers 3 heures parce qu'elle avait un biberon de lait. Parce Ah que fait, merde. son organisme s'est habitué à cette heure-ci à avoir ben, du lait. Donc Et il vaut donc, elle se mieux réveille toutes les éviter ça de nuits. faire ça? Ben, il faut mieux éviter des choses qui vont vraiment créer une dépendance. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme quand tu prends la dépendance, enfin, tu es habitué de manger ton petit carré de chocolat après manger, tu vois. Donc, Ouais. ben, au final, tu finis par le prendre plus par habitude, parce que ton corps le demande,
que par vraiment besoin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc exceptionnellement, pourquoi pas, mais on essaie Oui. de, voilà, de faire attention à Donc ça. voilà, pas créer une habitude de tiens, toutes les nuits je me réveille parce que le corps va vite se rappeler et ton esprit que bah, tu te lèves la nuit pour pouvoir aller manger, avoir ton petit snack, quoi. Ouais, c'est fou. C'est Mais c'est peut-être vrai pas que moi, idéal. je suis la team à rester au lit coûte que coûte. Je déteste me lever, je me lève jamais en fait, mais je reste dans mon lit à Ah, ruminer. c'est très dur, c'est très dur. Ah ouais, vraiment, j'ai beaucoup de mal. Alors par contre, moi, j'habite devant le canal, donc ce que je vais faire souvent, c'est que je vais regarder le canal en fait de l'eau. Ça m'apaise la nuit. D'accord. Et puis des fois, il y a les Ah petits ben c'est canards bien. qui passent. Non, mais c'est très bien. Voilà. Non, mais c'est une bonne idée. Et bien après, ce que tu peux faire, si souvent quand on se réveille et qu'on stresse, c'est vraiment, je dis toujours de gérer son stress dans la journée plutôt que de ne pas le gérer. C'est quand on ne le gère pas, en fait, dans la journée, il revient la nuit. Donc, tu vois, en fin de journée, tu te poses et tu écris ce que tu as, ce qui te tracasse. Et tu fais deux catégories, des choses où tu dis, OK, ça, il y a des solutions. Donc, tu marques les solutions. Déjà, le fait d'écrire, c'est thérapeutique. Je dis toujours, c'est. Parce que souvent, on a tendance à penser dans sa tête. Enfin, on va se dire, bon, ouais, je ferai ça, je ferai ça. Mais Ouais, c'est pas pareil. ça Quand reste tu poses les là-dedans. choses sur. Bah, ça reste là-dedans. Quand c'est posé sur Ouais. papier, c'est noté. Voilà. Donc, tu fais ça en fin de journée, pas juste avant de te coucher. Il y en a qui le disent juste avant de se coucher, mais moi, je pense que c'est encore trop frais dans la tête après quand tu vas te coucher. Ouais. Mais si tu le fais en fin de journée, voilà, tu écris toutes les solutions, les trucs que tu peux faire, machin, les trucs que tu peux faire, bah, c'est noté, hein, c'est pour rien. Le Covid, c'est pour rien, c'est comme ça. Hop, voilà, c'est noté. Si tu veux stresser, tu peux, mais il n'y a rien que tu peux faire vraiment. Voilà. Et déjà, ça enlève un poids. Parce que quand tu vas te coucher, tu sais déjà que tu as géré ça avant. Et Ouais. les gens ne pensent pas le faire, en fait. Les gens, tu sais, le stress, puis t'es busy la journée, t'y penses pas. Hop, tu mets ça de côté, tu dis ouais, j'y penserai, et ça revient la nuit. Et moi, ça a été vraiment quelque chose qui a vraiment changé avec mon sommeil, c'est que je n'attends jamais quand il y a un truc qui me tracasse ou le stress, machin, je note tout. Je Ouais, note. t'as raison. Et tu dis deux catégories, c'est ça? Oui, je fais une catégorie, enfin deux catégories. Une catégorie, là, I can do something about it. Je peux faire quelque chose dessus. Et la catégorie, c'est out of my control. J'y peux rien. J'y peux rien. Donc déjà, savoir sur les choses où tu dis, OK, je suis stressée avant ça. OK, je stresse. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Je marque. Déjà, tu vois, c'est quand tu fais du tri dans ton cerveau, mine de rien. Donc tu penses plus. C'est noté. Et les choses où tu peux pas faire, tu dis, bah oui, bah, de toute façon, il y a rien que je peux rien y faire. Ça ne sert à rien de Ouais. stresser. Je n'y peux rien. C'est comme Ouais. ça. C'est la vie. Et déjà, trier les choses. Tu tries ton cerveau, entre guillemets. Et ça joue vraiment. Et ça évite effectivement de se réveiller en pleine nuit et d'avoir toutes ces. Ouais. Toutes ces. Parce que c'est naturel, il faut aussi savoir que c'est très naturel de se réveiller vers 3 heures du matin, entre 2 heures et 3 heures du matin. Parce que c'est ce moment, en fait, dans la nuit où t'as les hormones, la sérotonine et la dopamine sont au plus bas. Et c'est ce qu'on appelle les happy chemicals, Les les hormones du hormones bonheur. du bonheur. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, t'as tendance à se réveiller, plus se réveiller naturellement. Et si en plus tu es stressé, c'est là où tu vas commencer à avoir toutes tes worries qui vont Tous tes arriver. soucis. Parce qu'en soi, se réveiller en pleine nuit puis se rendormir 2-3 minutes, 5 minutes après, aucun problème. Aucun problème. Tu n'es pas obligé de dormir non-stop de 23h à 6h du matin. C'est le stress qui fait que tu restes éveillé à cause du stress. C'est ça le problème. Ah, c'est intéressant au niveau des hormones, là, je ne savais pas ça. Voilà. Ouais, c'est naturel. Ça arrive très souvent de se réveiller à 7h. Ouais. En quoi dormir avant minuit nous fait mieux dormir alors? Parce qu'en général, c'est là où on a un sommeil qui est beaucoup plus réparateur en début de nuit. On appelle ça les 90 minutes de sommeil, de pur bliss, entre guillemets, dans le milieu du sommeil. C'est que vraiment, c'est ces heures-là qui sont les plus régénératives. Régénérante, je crois. T'as, elle est Régénérante. compliquée cette langue. Voilà, régénérante pour ton Je crois. corps, Ou ouais, si, si, si. émotionnellement. Le mind, l'esprit, c'est là où tu as le plus. Et c'est pour ça que d'ailleurs, si tu traques ton sommeil avec des trackers pour le sommeil, tu te rends compte que c'est là où tu as ta grosse partie de deep sleep, et vraiment en première partie de nuit. Après, voilà, encore une fois, il y a des gens pour qui il n'y a pas de problème de se coucher à minuit. Comme toi, par exemple, c'est pas forcément. Après, à toi de voir, est-ce que tu sens vraiment une différence si tu te couches plus tôt ou pas? Moi, je la sens profondément. Moi, c'est un impact qui est énorme. Mais par exemple, sur mon chéri, pas du tout. Voilà. Mais donc du coup, c'est quoi? C'est au niveau de, je sais pas, pourquoi avant minuit, qu'est-ce qu'il fait? C'est au niveau de Parce peut-être, que tu te couches avec le soleil, en fait, déjà, voilà, c'est ouais. physiologique. Ça en revient, ben, je veux dire, à l'époque, quand le soleil se couchait, les gens restaient pas éveillés dans le noir pendant 3 heures. Ils allaient se coucher et se réveiller naturellement avec le soleil.
Donc, c'est ce qu'entre guillemets, c'est ce qui vient plus naturellement à ton corps, c'est ce qui est plus naturel. Oui, donc en fait, plutôt c'est mieux Après, après après le début, enfin après la fin du soleil, quoi, c'est ça que tu veux dire. Sauf que bon, voilà, quand il c'est fait ça. 5 h de l'après-midi, quand il fait déjà nuit noire, c'est compliqué. Voilà, non, oui, voilà, c'est ça. Voilà, si tu peux te coucher, peut-être, mais même si tu te couches à 11 h, à 23 h, tu vois, ne serait-ce qu'une heure avant minuit, il y a une différence. Après, c'est pas forcément le cas chez tout le monde, mais il faut pas, il faut aussi se connaître. Il faut pas non plus utiliser comme excuse, tu vois, faut se connaître, quoi. Ouais. Mais effectivement, sur certaines personnes, ça fait vraiment une grosse différence. Je crois qu'aussi en médecine chinoise, il y avait quelque chose, parce que en médecine chinoise, il me semble qu'en fait, on va dire que les horaires sont décomposés en 2 heures et que ça correspond à un organe. Tu vois, le matin, il va y Oui. avoir le cœur, par exemple, ou etc., etc., l'estomac à très tôt aussi. Enfin bref, et donc du coup, je me demande s'il n'y a pas une logique aussi par rapport à ça, par rapport à certains organes et justement sa régénération. Si, 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 c'est tout à fait c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'à partir de c'est à ce moment-là où en fait tu as tout au niveau des organes que ça se régénère. Donc en fait, c'est plus logique de dormir à ce moment-là. Ça va ensemble, quoi. Ah, c'est marrant. Mais bon, on fait ce qu'on peut, hein, c'est toujours pareil. C'est ça. Et C'est ça. alors, c'est quoi, toi, ta routine spécifique avant d'aller dormir qui fonctionne? Ma routine spécifique qui fonctionne, ah, c'est une bonne question. Alors, J'ai fait des gosses et je suis crevée, voilà. c'est ça, faites des gosses et puis à 19 h, vous êtes déjà comme ça. Non, mais moi j'aime bien, je prends toujours une douche chaude. Alors, je prends ma douche, alors il y en a qui la prennent le matin, donc le soir, mais t'as la température du corps du coup descend et donc ça favorise le sommeil. Donc, moi je lis comme toi, je lis beaucoup. Ça m'arrive de faire des méditations, mais moi je suis plus du matin, mais c'est Ouais. vraiment pas d'électronique. Voilà. Moi, je n'ai pas mon téléphone le soir. C'est rare, ça m'arrive. Hein. Attends, Mais je tu suis regardes une pas. série un petit peu avant ou même pas? Oui, moi, je regarde une série quand je mange avec mon chéri. Ah ouais, cool, ok, Ou après d'accord. manger, mais encore une fois, on mange plus tôt. Tu Ouais. vois. Donc, en fait, moi, ma série à 21 h, elle est finie. Tu vois, Ouais. ma série à 21 h est finie. Donc, en fait, de 21 h à 22 h, en général, voilà, je prends ma douche tranquillement, je lis, machin, et je vais me coucher vers 22 h 30, tu vois. Ouais. Mais Ah, c'est c'est parce que marrant. je me. Après, tu fais. Mais j'essaye. Encore une fois, il faut savoir que les bons dormeurs n'ont pas une routine qui prend 3 h avant de se coucher. Ça, c'est bien pour changer les habitudes pour les gens, je dis toujours. Mais les gens qui vous vendent une nighttime routine avant de vous coucher qui dure 3 h, non, c'est pas possible. Et quelqu'un qui dort bien, il se pose même pas la question. Il se pose pas la question de ce qu'il fait, entre guillemets. Bah, c'est Voilà. clair. Donc, c'est juste, voilà, éviter. Et c'est avoir ce moment que j'ai, ces 3 quarts d'heure avant de me coucher, où je fais des trucs un peu plus calmes. Tu vois, je Mais vais pas, par exemple, moi, je peux pas bosser. Je peux pas ouais. bosser le soir. C'est malheureux, mais moi, c'est un grand drame de ma vie, j'ai l'impression. Mais si je bosse le soir, parce que je fais plein d'idées qui vont venir, et ben, ça va être très compliqué de me coucher Ouais, parce tu que vas être ça va. excité. Je vais être excitée. Donc, je garde ça très tôt le matin. Je peux me lever à 5 h et bosser, tu vois. Ça, Ouais, je c'est suis le d'accord problème. parce que moi je suis plutôt créative aussi le soir, je suis motivée. Mais je me souviens qu'à un moment quand j'étais un peu stressée, donc du coup je m'avançais pour le lendemain, le soir, et en fait j'avais du mal à dormir parce qu'effectivement j'étais trop dans mes idées en fait. J'étais pas du tout dans ce côté on va s'apaiser, etc. Non, pas du tout. Non. Et d'ailleurs pour parler de la douche chaude, je pense que c'est quand même effectivement très intéressant parce qu'il me semble aussi que, je sais plus si c'est médecine chinoise ou peu importe, quand t'arrives pas à dormir, tu prends une bassine et tu mets de l'eau chaude dans les pieds. Et en fait elle disait que ça faisait un peu descendre en fait, je sais plus Ah bah oui. exactement quoi, mais voilà, ça t'apaise. Et du coup, je crois que c'était l'énergie qui redescendait. Ouais, voilà, c'est ça, l'énergie qui redescendait du cerveau où ça rumine un peu dans le corps. Et donc, du coup, tu étais plus apaisé. Donc, je pense que la douche, c'est un peu le même Ah bah oui. principe puisque ça va détendre tous tes muscles, quoi. Ah bah Voilà. oui, c'est logique. Ouais, c'est logique. C'est Ouais, c'est une rigolo, bonne les petits question. tips. Je savais pas. Comme ça, je Mais savais voilà. pas. Est-ce que notre cycle féminin, donc, influence notre efficacité à dormir? Et si oui, comment? Oui, alors à certains différents niveaux chez une femme, ça dépend. Il y en a pour qui pas du tout et d'autres un peu plus. En général, 6 à 3 jours avant que nos règles commencent, déjà la température du corps, elle est plus élevée. Ah oui, c'est Donc clair. déjà, Ouais. moi par exemple, je sais que je me réveille plus, je dors plus, j'ai chaud. Donc déjà ça joue. Et aussi certaines femmes, pas toutes, hein, mais pendant la période de leurs règles, ont moins de REM sleep. Le REM sleep, c'est, tu sais, c'est là où tu rêves. Et donc du coup, bah, elles ont moins de REM sleep où tu as aussi tout le mind tout qui se régénère. Donc elles en ont moins. Donc forcément, ça a un impact. Après, tu peux avoir les douleurs de règles, tout ça qui font que tu dors mal. Mais oui, les hormones, forcément, ça joue. Bah oui, hein, fallait bien que tout y passe, hein, sur les hormones, qui est forcément. Putain, on est gâtés, nous, sans déconner. Voilà. Oh là 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 Voilà. là. Ouais, C'est donc ça. dans ces cas-là, c'est vraiment peut-être plus sérieux sur sa routine, en fait. Oui, il faut être plus sérieux parce qu'on est plus fatigué. De toute façon, pendant son Ouais. cycle, on est plus fatigué. Donc, vraiment privilégier le sommeil.
se reposer, faire des siestes, quoi. Essayer le plus possible de faire des choses plus calmes, quoi. Enfin, pas des trucs high intensity, quoi. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel justement des, on va dire des, comment on appelle ça? Des trucs pour dormir, enfin des, on va dire. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel des étapes pour dormir? Tu sais, des étapes de dodo, c'est-à-dire, tu parlais du REM, il y a trois séquences, non? Et comment ça se passe déjà, je sais plus. Ah oui, ah bah alors tes cycles du sommeil, ouais, quand tu t'en, en fait, quand tu t'endors, tu passes quelques, vraiment très peu de minutes en ce qu'on appelle transition sleep, light sleep, et tu passes très vite en deep sleep, en première partie de Donc nuit, profond, et sommeil en profond. sommeil profond, et c'est là en fait qui fait que c'est le sommeil profond qui fait que le lendemain, tu te sens frais, en fait, parce que là, tu régénères tout ton corps. Donc, c'est-à-dire, tu régénères, si tu as fait du sport, les tissus, se repairent. Enfin, tu vois, tu as vraiment tout. C'est vraiment sur l'aspect physique pendant ce deep sleep, en fait. Et le REM sleep, ensuite, le REM sleep, c'est rapid eye movement. Tu sais, quand les yeux, ils font. Ils vont vite. Et voilà. Et là, c'est là où tu fais beaucoup, tu rêves. Tu rêves beaucoup, mais ça aide aussi à tout ce qui est la consolidation, la mémoire, memory consolidation. Donc, c'est là où, par exemple, tout ce que tu as appris dans la journée, ça fait des connexions Qui et va que tu vas. mémoriser, ouais. Que tu vas mémoriser. C'est pour ça que je dis toujours, si tu pour un examen, tu révises à fond la veille, la veille, la veille, la veille, la veille, tu vois, il faut toujours une bonne nuit de sommeil, mais tu dors pas, et tu dors très peu, bah, tu n'as pas trop donné de chance finalement à ton corps et à ta mémoire, enfin ton esprit, de tout mémoriser pour le lendemain. Donc c'est super important de bien dormir avant un examen en général. Ouais, C'est un mais tu peu sais, dur, c'est ce je qu'il sais, disait mais. quand j'étais au lycée, en fait, il disait, moi, c'est ce que je faisais en tout cas, de réviser, mais tu vois, je relisais, en fait, et juste avant de dormir, et du coup, effectivement, j'avais l'impression que j'imprégnais mieux le truc. Voilà, c'est ça. Mais réviser toute la nuit et dormir que 2 nuits avant d'aller à son examen, 2 heures avant d'aller à son examen, c'est pas terrible. Oui, non, Parce voilà, que t'as pas le temps. exactement. Donc, du T'as coup, pas le temps de c'est, t'imprégner. t'as le sommeil léger, ça fait partie d'un cycle, ensuite, t'as le sommeil profond, et ensuite, t'as REM sleep. voilà, le Rapid eye REM, movement. ouais, REM sleep. exactement. REM sleep. Voilà, REM sleep. Et en fait, un cycle du sommeil dure environ 90 minutes. Et on demande, enfin, pour que tu te sentes bien, il faut en faire 5. Donc, d'où en fait qu'on demande aux gens de dormir entre 7 h, on recommande entre 7 h et 9 h. D'accord, Parce qu'il ouais. faut que tu aies au moins 5 le cycle du sommeil. Il faut savoir que tu as moins de 1% de la population qui est capable de fonctionner à son best, enfin, de bien se sentir avec moins de 6 heures de sommeil. Tu vois, je veux dire, Ouais. tu as des gens qui sont là, ouais, moi je me sens top avec 4 heures de sommeil. C'est limite impossible. Il faut vraiment que c'est un truc génétique que tu as, c'est un gène particulier et c'est très, 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 très peu, enfin, c'est très, très peu de gens qui l'ont. Ouais, je me souviens, j'avais Et un CPE quand j'étais au collège qui dormait 4 heures par nuit et il s'en vantait. Et je me disais, mais en même temps, ça doit être hyper pratique parce que tu peux faire tellement de choses. Il avait pas c'est l'air fatigué, ça. après, je ne sais pas, hein, mais. Après, le problème, c'est que c'est comme tout, tu ne vois pas les effets que ça a sur toi tout de suite. Tu vas le voir si voilà, tu es fatigué, tu vas avoir des cernes, tout ça. Mais c'est vraiment sur le long terme, en fait. Tu abîmes ta santé, entre guillemets, sur le long terme. C'est comme quelqu'un qui a un métabolisme rapide, qui va manger plein de burgers, qui ne grossit pas, qui va dire, bon, c'est bon, moi, je peux bouffer McDo tous les jours, il n'y a pas de souci. Oui, mais ça a forcément des conséquences sur autre chose, mais que tu ne vois pas, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important, vraiment, pour être super productive, créative, parce qu'il faut savoir quelqu'un qui dort moins de 6 heures, il n'aura pas la même réactivité, il n'aura pas la même productivité, son humeur ne sera pas la même. Et c'est des petites choses, hein, c'est vraiment des petites choses. Mais les gens sont habitués à être fatigués. Encore une fois, il y a plein de gens qui sont sleep deprived, qui n'ont pas d'heures de sommeil, mais ne s'en rendent même pas compte parce que c'est devenu leur quotidien. Et c'est normal. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est fou. Moi, je sais que je suis trop sensible à ça et je déteste me sentir fatiguée. J'ai le brouillard, là. Tu sais, comme la pub Ricoré où le mec, il a pas bu son café, il a un énorme brouillard dans la tête. Non, mais c'est ça, si les gens dormaient un peu mieux, déjà, je pense qu'il y aurait un peu moins d'agressivité aussi. Ouais, bien Les sûr. gens sont très réactifs, agressifs, mais déjà, s'ils étaient un peu mieux, dormaient un peu mieux, déjà, Ouais, mais peut-être complètement. que ça aiderait. Ouais, exactement. Voilà. Et alors, ma dernière question, ça serait, que penses-tu des applications de tracking de sommeil? Alors, j'en pense que si tu as un vrai problème de sommeil, regarder ton sommeil en permanence, ça va te stresser plus qu'autre chose. C'est Donc, clair. ça, je le recommande pas pour quelqu'un qui a des vrais problèmes de sommeil et qui stresse parce que voilà, ça va le stresser plus qu'autre chose. Oh là là, j'ai eu que 10% de REM sleep ou de deep sleep, c'est l'horreur, je sais pas. Voilà, donc ça, non. Par contre, bah, moi, j'en ai une, tu vois, je sais pas si vous l'avez en Europe, la Oura Ring. Ouais, enfin, je sais pas, mais je sais que justement, à un moment, je voulais me l'acheter parce que. Mais après, je me suis dit, en Elle fait, est. j'aime pas ces trucs-là parce que pour moi, c'est addictif, justement. Combien de pas j'ai fait, comment j'ai dormi. Oh, j'aime pas ça.
Mais C'est par ça, contre, c'est c'est un côté pratique habitude. en ring. Du coup, tu me fais parler comme Jean-Claude Van Damme aussi, je trouve plus mes mots en français, c'est malin. Voilà, bah oui, parce que déjà elle est plus précise en sommeil. Pour ce qui est Ouais. du sommeil, c'est une des trucs les plus précises parce que les montres connectées, t'es pas autant précis. Donc, déjà, faut aussi savoir que faut prendre ça avec un peu avec un grain de sel. Hein. Je veux dire, les trackers, c'est pas complètement à moins de passer une nuit dans une clinique du sommeil Ouais. avec les électrons sur la tête, vous n'aurez pas quelque chose de complètement précis. Donc, déjà, voilà. Moi, je le trouve dans mon boulot, c'est intéressant parce que ça me permet de voir. Voilà, moi j'adore regarder les données de si ah ouais, tiens, je compare avec des gens qui ont les wearing, Ouais. j'adore, tu vois, mais ça, c'est mon truc, tu vois. Ouais. Genre, comment tu as réussi à avoir 5 heures de deep sleep, quoi? Qu'est-ce que tu as fait, quoi, tu vois? Ouais. Mais oui, ça peut aider, ça prend conscience sur certaines choses. L'avantage aussi dessus, c'est que les gens, du coup, prennent conscience. Ah, tiens, j'ai pas fait assez de pas. Ah, tiens, mon sommeil, franchement, pas terrible, quoi. Là, j'ai dormi que ça, j'étais. Donc, ça peut prendre conscience, ça peut soit l'effet. Ça te motive à fond, ça te prend conscience, tu veux faire les choses bien, soit les faits complètement, tu deviens obnubilé par le truc et ça devient plus néfaste qu'autre chose, Donc quoi. ça dépend un peu de Tu ta vois? nature, si t'as tendance à avoir des addictions ou à être perfectionniste, à être angoissé, etc., je pense. C'est ça, c'est Ouais. ça. Et toujours se dire que c'est pas non plus la science exacte, quoi. Ouais, exactement. Ouais. On va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Quel livre sur ce sujet ou non t'a beaucoup marqué et pourquoi? Le livre qui m'a marqué, c'est celui de en 2016 de Arianna Huffington, tu sais, celle qui a créé l'Huffington Post, Ouais. qui a sorti un livre qui s'appelait Sleep Revolution, donc la révolution du sommeil. Et ça m'a marqué parce que c'était une femme d'affaires qui avait des enfants et qui, en fait, a montré, explique dans tout son livre pourquoi le sommeil est important et pourquoi c'est important pour. Enfin, achieve your goals, tu vois, obtenir tes objectifs en tant que parent surtout. Et c'était un peu, elle a complètement montré en fait que la société actuelle, c'est vraiment, tu vois, tu dis you snooze, you lose. Tu vois, je veux dire, faut surtout pas. Les gens, T'arrêter on quoi. a l'habitude d'avoir les gens qui se vantent de dormir que 4 heures par semaine et d'être super performants. Tu vois, plein d'entrepreneurs qui te disent il faut bosser toute la nuit, si tu bosses pas jour et nuit, tu n'y arriveras pas. Et elle, c'est l'exemple même qui montre que elle, ce qui a fait qu'elle a réussi, c'est qu'elle a toujours privilégié son sommeil. Et que oui, tu peux arriver au top et tu peux en dormant 8 heures par nuit. Que Ouais. dormir 8 heures par nuit, c'est important. Et donc, ouais, parce que je me suis sentie visée, moi, en tant que femme, tu vois, qui voulais monter mon business. Moi, mon premier truc qui me suis dit, je dis, ouais, mais moi, je vais pas bosser toute la nuit, quoi. Moi, j'ai besoin de dormir, quoi. Ouais, puis j'ai trois Tu vois, enfants, donc faut que j'en j'ai occupe. trois enfants, faut que je m'en occupe. Et voilà, celui-là, il m'a marqué vraiment parce que c'était, surtout, voilà, venant d'une femme qui montre la France. Et après, sinon, pour tous ceux qui, The Power of Sleep de Matthew Walker, si tu veux vraiment, si t'es pas convaincu que le sommeil est important, lis ce livre parce que là, si t'as pas compris tout ce que ça va faire sur toi, il est bien, quoi. Il est très accessible pour tout le monde, à tout pour comprendre, quoi. Ouais, super. Une astuce efficace pour être en meilleure santé. D'adore. une astuce efficace pour être en meilleure santé, ben, j'ai envie de te dire, oui, dors, apprends à te reposer la journée, faire des petits quicks comme j'en ai parlé, des petits breaks dans la journée pour te régénérer, en fait. C'est important de faire des pauses dans la journée pour son mental, déjà pour physiquement se régénérer, mais mentalement, parce qu'on est toujours trop, on est trop stimulé. On est stimulé toute la journée par le boulot, Totalement. les enfants, la vie, tout. C'est important de se reprendre, toi, se prendre 2 minutes par-ci par-là dans la journée pour se recharger. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé, parce que pour moi, si tu arrives à t'apaiser de manière régulière, mais même si ça dure 2 minutes, du coup, tu vas pas monter en pression et en tension, et du coup, tu vas mieux Exactement. dormir. Et c'est vrai que moi, ce que je conseille de faire, c'est que quand tu changes d'activité, tu prends 1 minute et juste tu te recentres par tes sens, en fait. Tu sais, tu te ground, quoi. Tu vas C'est ça. t'ancrer dans la réalité, tu vas écouter ce que tu entends, tes points d'appui, qu'est-ce que tu vois, tu essaies de sentir ton corps. Et rien que ça. Ça y est, ça va beaucoup mieux, tu t'es un peu remis dans ton corps, donc dans le moment présent, donc du coup, t'es beaucoup mieux dans tes baskets et tu repars. Et tu fais ça le plus souvent possible, même si c'est qu'une minute. Bon, C'est après, ça. Et chacun c'est une skill, hein. son truc, hein. Ouais. Tu sais, comme tu dis, ça s'apprend. Et plus tu apprends, plus tu le fais, et plus ça devient naturel. Et voilà. Et on a trop tendance à, ah, tiens, on a 2 minutes de break, je prends mon téléphone, je regarde Instagram, ou je regarde mes mails. C'est ça, Mais c'est exactement. pas un break. Mais si tu fais aucun break, en fait, Avant, fais tu. ce qu'on vient de te dire et ensuite regarde Instagram si t'en as envie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Une habitude à supprimer. Le téléphone comme réveil ou sur la table de nuit.
C'est dur pour beaucoup de gens, mais moi, je n'ai jamais mon téléphone sur ma table de nuit. Le téléphone reste dans le salon le soir. Parce qu'en fait, sinon, le téléphone, c'est la dernière chose que tu vois le soir et c'est la première chose que tu vois le matin. Donc, tu te couches en étant sur ton téléphone, tes mails, tes machins. Tu te réveilles, tu as les yeux à peine ouverts, que tu es là en train de regarder, c'est lire le mail ou peu importe. Et ça, c'est une habitude. Tu commences ta journée déjà avec tellement de stimulation Ouais. et plus tu le fais. Parfois, je ne regarde pas mon téléphone pendant 1 heure le matin. Parce que je me lève, il est dans le salon, j'oublie, il a chargé toute la nuit, je prends mon café et machin, et tu commences la journée, c'est pas pareil, je ne sais pas Stimulé, t'expliquer, c'est un ouais, sentiment si. qui est différent, Bah de qui est presse, en fait, différent, donc de vraiment. t'es pressé un peu quelque part, il y a un petit truc T'es pressé, urgent. là tu t'es concentré, c'est toi, c'est ton moment pour toi, donc vraiment, pas de téléphone sur la table de nuit, et si ton excuse c'est que c'est ton réveil, ben t'achètes un réveil, voilà, Pas c'est... Non mais voilà, compliqué. c'est ça, Il y en c'est a pas des beaux. compliqué, mais il faut éviter, voilà. Ouais. Une habitude à prendre. Une habitude à prendre, ben, c'est la méditation, je dirais. Une habitude à prendre, c'est la méditation. Je sais que ce n'est pas forcément facile, mais ça prend du temps. Il faut aussi se dire que la méditation, on commence pas, on ne s'assoit pas à 20 minutes et d'un coup, hop, hop, hop. Et que même quand on pratique pendant des années, il y a des jours où on n'a pas envie, il y a des jours où on Ouais. n'y arrive pas. Donc oui, non, la méditation, vraiment, ça fait un bien fou, bah, sur ton sommeil, sur ton mental, sur... Enfin, c'est... Voilà, C'est la c'est douche du vraiment... cerveau. C'est la douche du cerveau, si on peut, même 5 minutes tous les jours, vraiment. Et encore une fois, c'est un muscle, il faut l'entraîner, il faut le faire tous les jours. Mais ça paye vraiment, c'est vraiment quelque Ouais. chose qui paye. Où est-ce qu'on peut te trouver? On peut me trouver sur bah, mon site internet Sleep Body Mind, sur Instagram aussi, c'est Sleep Body Mind. Voilà. Et il y a mes coordonnées, tout ça, on peut me contacter comme ça. Eh ben super, merci beaucoup Hélène. Pas de soucis, ça m'a fait plaisir. Et bon dodo. Ah oui, bah toi aussi, surtout toi. Oui, c'est clair.